Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinite Warfare. Et aujourd'hui j'ai une excellente nouvelle concernant deux prochaines armes qui vont arriver sur Infinite Warfare en tant que arme classique. Je vais tout vous faire, je vais vous faire un énorme topo concernant tout ceci, excusez-moi. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. On se rapproche très rapidement des 30 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau. Et n'oublie pas de défoncer la barre des likes. Voilà, franchement, si on pouvait atteindre les 700 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, ces derniers temps, il y a eu pas mal de bugs de flux via YouTube, autant que ce soit au niveau de mes lives, etc. Donc surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications. À 21h, il y a toujours une vidéo, donc n'hésitez pas franchement à regarder chaque jour 21h, il y a chaque fois une vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Et surtout voilà, regardez la dernière vidéo que j'ai postée, c'est un live sur Call of Duty Black Ops 3, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore Call of Duty Black Ops 3 sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder, puis n'hésitez pas à la défoncer la barre de like, cela me fera extrêmement plaisir. Donc voilà, maintenant on va se baser par rapport au sujet de la vidéo. Il faut savoir une chose les potes, c'est que concernant justement les nouvelles armes, bon, je pense que vous en avez vu une qui est dans le titre. En l'occurrence, dans les codes fichiers du jeu sur Infinite Warfare, il était censé avoir 10 armes classiques. On en a eu 6, si je dis pas de bêtises, on va essayer de se les remémorer. Donc on a la Ossa, la MacTav, la M1, l'Intervention, celui qui ressemble un peu au Space 12 et le Frelon. Donc on a 6 armes classiques et on était censé en avoir 10. J'avais déjà dit plusieurs fois que l'ACR était censé arriver avec l'Amélie. Oui, parce que en fait l'Amélie n'est pas comment s'appelle l'arme auquel vous en avez parlé lors des 4 armes qui devaient sortir. Il n'y avait que 2 qui étaient sorties. Je pense que les 2 autres arriveront le mois prochain, donc en l'occurrence le mois d'avril. Donc j'avais dit donc Amélie et ACR, donc ça nous en fait 8. Et les 2 dernières ont été découvertes. Donc ça sera le Barrett 50, ça sera un nouveau sniper. Et le modèle, alors le modèle pour ceux qui ne savent pas, c'est un excellent fusil à pompe qui existe sur Call of Duty Modern Warfare 2. Donc les 4 armes qui restent sur les armes classiques étant l'ACR, bon l'ACR hein, comme j'ai dit, excusez-moi, le Barrett, le modèle et l'Amélie. Alors, je vois déjà certaines personnes qui vont tout de suite s'énerver et dire « Ouais, Loctet, t'as parlé de la MP7, etc. etc. » Je vous invite à revoir la vidéo où justement où je dis que c'est possible que la MP7 sorte. J'ai pas dit qu'elle sortira contrairement à l'ACR, à l'Amélie, le Barrett et le modèle, en l'occurrence que je parle maintenant. Puisque en fait, c'est un peu compliqué niveau de la MP7. Je vais vous expliquer tout ça. Niveau de la MP7, ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers de Infinite Warfare sont un peu mêlés avec Call of Duty Modern Warfare Remastered. Il faut savoir qu'il y a des gens qui réussissent à choper des petites infos via Call of Duty Infinite Warfare, via Call of Duty Infinite Warfare concernant Modern Warfare Remastered. Les deux sont liés. Je pense que vous pouvez le voir hein, quand vous voulez vous passer de Call of Duty Infinite Warfare à Call of Duty Modern Warfare Remastered. Des fois, justement, il y a des petits fichiers qui partent, etc. Enfin bref, peu importe. Et sur le coup, la MP7, c'est possible qu'elle sorte. C'est possible qu'elle sorte en tant qu'extra sur Infinite Warfare, mais c'est également possible qu'elle sorte sur Call of Duty Modern Warfare Remastered. Donc, ne vous attendez pas au sens du terme que oui, il y aura la MP7 sûr et certain sur Infinite Warfare, ce n'est pas sûr du tout, tandis que les 4 armes que je vous ai dit, l'ACR, l'Amélie, le Barrett et le modèle arriveront sur Call of Duty Infinite Warfare. Donc le Barrett, je pense que j'ai plus besoin de présenter le Barrett. Bon, peut-être les gens ne connaissent pas le Barrett. Bon, il y est quand même hein, sur Modern Warfare Remastered. C'est un des snipers les plus mythiques avec l'intervention sur Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Hein, parce que Modern 3, il y a beaucoup de gens qui jouent au Barrett. Je pense que ça soit également en infecté. Tu jouais quand même avec cette arme-là parce que c'était un des snipers les plus puissants qui existait. Et je pense que niveau sniper, c'est aussi un des plus connus, on va dire, au monde via l'armée, etc. Parce que c'est ultra puissant, etc. Ça fait des ravages, enfin bref. Peu importe, je n'ai pas là en train de te dire si c'est éthique, etc. Peu importe. Mais le Barrett, on va dire, est plutôt une bonne chose. Hein. C'est plutôt une excellente chose que le Barrett soit de retour, on va dire, sur Infinite Warfare pour les personnes qui adorent, on va dire, la feed, etc. etc. Et c'est un bon moyen, on va dire, de peut-être ramener des anciens sur Infinite Warfare, etc. Même si peut-être, tu vois, le gameplay ne leur plaît pas forcément, on va dire que si on leur donne des anciennes armes qui les intéressent, etc., je pense que ça va donner envie aux gens d'y retourner. Tu vois, moi, par exemple, si du jour au lendemain,
j'apprends que, je sais pas moi, la hog de Call of Duty Black Ops 1 retourne sur Black Ops 3 ou la N94 retourne sur Call of Duty Black Ops 3 et elle est toujours aussi puissante avec les mêmes statistiques sur Black Ops 2 ou Black Ops 1 sur Black Ops 3, j'y retourne directement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Dès que t'as une arme que tu surkiffes, bah t'as envie justement d'y rejouer, etc. et voir qu'est-ce qu'elle vaut dans les nouveaux Call of Duty. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Ensuite, le modèle. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent de quoi je parle au niveau du modèle. Le modèle est un très bon fusil à pompe qui se recharger un peu en mode western. Qu'est-ce que je veux dire en mode western? Ça veut dire que quand tu voulais recharger tes modèles, ça faisait en fait, tu faisais une sorte de looping, on va parler de looping, tu faisais une sorte de 360, enfin bref, l'arme tournait sur elle-même pour pouvoir recharger et c'était ultra kiffant. C'était ultra kiffant. C'est un des fusils à pompe que je trouvais ultra intéressant. Excusez-moi, et que je trouvais vraiment stylé, et j'ai jamais compris pourquoi en fait cette arme-là n'est jamais revenue. Je sais pas si elle était revenue sur Modern Warfare 3, c'est vrai que sur Modern 3 j'ai jamais joué au fusil à pompe, mais je sais qu'ils étaient sur Modern 2, ou sinon c'est le contraire. Maintenant je commence à avoir le doute. Enfin bref, on sait que c'est des on sait que ces armes-là viennent de Modern Warfare 2 et Modern 3. Ok, d'accord, hein, pas plus ni moins. Enfin bref, c'était vraiment des fusils à pompe intéressants. Et c'est vrai que, mis à part ça, les fusils à pompe sur ce jeu sont un peu mis de côté parce que je les trouve pas très très intéressants. Mis à part peut-être celui qui ressemble un peu au Space 12. Je sais plus comment il s'appelle également. Je sais qu'il a le nom d'un YouTuber, etc. Enfin bref. Et c'est vrai que ça serait quand même assez intéressant, voilà, de voir comment elles vont... comment elles vont faire niveau des dégâts, etc. Ensuite, je pense que ces armes sortiront en armes à nucléaire. Alors, comment obtenir les armes à nucléaire là-dessus? Ça risque d'être très, 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 très intéressant par rapport à ça, parce que soit ils décident de faire des nouveaux prestiges. Bon, après, je pense que ça serait quand même assez ridicule de faire des nouveaux prestiges, sachant qu'on en a déjà 30. Donc, est-ce que ça sera disponible grâce aux personnes qui sont arrivées au prestige maximum et qui pourront obtenir ces armes classiques? Parce que c'est vrai que les personnes qui ont à ce jour des armes, comment dire, des armes classiques, mais qui n'ont pas monté les prestiges, ne peuvent pas avoir par exemple la Ossa nucléaire, la MacTav nucléaire, enfin bref, toutes les armes classiques nucléaires, on ne peut pas les avoir, étant donné qu'il faut justement atteindre un certain nombre de prestiges pour réaliser, pour avoir ces nucléaires. Donc comment on va les avoir, voilà, ça c'est toujours mystère et boule de gomme avec Infinity Ward, on ne sait pas. Les dates de sortie de ces armes-là, aucune idée encore à ce jour, étant donné que les autres armes classiques ne sont pas encore sorties, étant donné que c'est d'autres armes que j'avais parlé, en l'occurrence sur les 4 armes qui étaient, je sais plus comment elle s'appelle, la VR-AR-46 qui est sortie sous le nom de Xenon, de X-ON, voilà. Et la deuxième, étant donné que c'était censé être la Hades, bah, elle est sortie sous le nom de VPR. Donc on attend toujours les deux prochaines armes, en l'occurrence la grosse batteuse et puis l'autre, je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était un gun, si je dis pas de bêtises, ou une autre SMG. Enfin bref, je m'en souviens plus du tout, les potes. Mais on sait que les prochaines armes qui sortiront sur Call of Duty Infinite Warfare, bah voilà, ça sera les deux autres armes auxquelles j'avais parlé et qui vont être, on va dire, assez intéressants. Elles sont déjà dans le jeu, hein, il y a déjà eu quelques glitches là-dessus, etc. Enfin bref, je vous ai déjà expliqué, je peux pas montrer les glitches, etc. Et le but de cette vidéo, voilà, c'était parler du Barrett, etc. et du modèle qui vont sortir très prochainement. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Niveau gameplay, je crois que je vous ai mis une double des atomiseurs Strike en groupe de 3. Ouais, je propose très rarement du groupe de 3, à un moment donné, à la fin on va commencer un spawn trap hyper intéressant. Bon, vous savez très bien que moi je suis pas fan de spawn trap, etc. Je suis quelqu'un qui joue en solo, donc forcément le spawn trap c'est pas trop mon délire, etc. Mais pour une fois, voilà, vous allez m'excuser, mais pour une fois, il y avait les mecs, la game d'avant, mais c'était juste insupportable les potes. Franchement, quand je vous dis qu'ils étaient insupportables, ils étaient insupportables, jouer Head Glitch, Raw avec Mine, etc. J'ai totalement vrillé avec les potes et on s'est dit, bon, bah vas-y, maintenant, peu importe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc j'étais avec Venom et Kyle et voilà, donc double des atomiseurs. Je crois que je vais pas lancer la deuxième. Et j'espère en tout cas que le gameplay vous plaira, même si c'est de la MV4, peu importe, on va dire que c'est une des seules armes potables avec la Kabar et la type 2 pour claquer des atomiseurs. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oublie pas de défoncer la barre des likes. 700 likes, voilà, c'est l'objectif. J'espère qu'en tout cas cette news vous aura plu concernant Infinite Warfare. Comme je vous ai dit, de vous abonner et d'activer les notifications. Et regardez tous les jours à 21h, YouTube déconne énormément en ce moment. Je pense que tous les YouTubeurs s'en rendent compte que justement les vues sont en train de descendre. Donc c'est un peu bizarre au sens du terme que c'est pas censé arriver. Enfin bref, c'est YouTube, peu importe, voilà. Et n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que tu en penses de cela, ça serait quand même hyper intéressant. Et de partager cette vidéo partout sur les réseaux sociaux. C'était Loctet2, peace out.